On est vraiment très très heureux de ramener cette Coupe de France à la maison. Ça fait 48 ans que les Rennais attendaient un trophée. Et là, c'est énormément de joie, d'émotion, de fierté. On a déjà vécu des moments absolument magnifiques hier soir au Stade de France avec une équipe, des joueurs héroïques. On savait qu'ils avaient du talent, qu'ils étaient capables d'exploits. Ils nous l'avaient montré dans leur formidable parcours en Coupe d'Europe. Et là, l'exploit a été à nouveau présent hier soir grâce à l'engagement des joueurs. Mais je veux aussi avoir une pensée évidemment pour l'entraîneur Julien Stéphan qui a apporté énormément à cette équipe, qui ressemble d'ailleurs un peu à ce qu'est Rennes dans son humilité, son sens du travail, mais aussi sa détermination. C'est aussi un très beau moment, évidemment, pour tous ceux qui croient en ce club et en premier lieu les dirigeants du club, avec le travail d'Olivier Létang, le président, de Jacques Delanoë, président délégué. Et puis, c'est la récompense aussi de la fidélité d'un homme, d'un actionnaire, d'un propriétaire du club, François Pinault, dont j'étais pour ma part très heureuse de voir à quel point il rayonnait hier avec ce beau trophée entre les mains. Et puis évidemment, c'est la victoire des supporters aussi. Ils étaient là hier, ils ont mis une ambiance absolument fantastique dans le Stade de France. Ils étaient aussi hier soir, malgré une météo un peu incertaine, sur cette esplanade Général de Gaulle. Et ils sont là, bien sûr, à nouveau cet après-midi. C'est effectivement des retombées d'images extrêmement positives pour toute la ville. C'était déjà le cas à travers le parcours en Coupe d'Europe, où on situe désormais pleinement Rennes sur la carte européenne du football. Et puis, c'est une belle image donnée de la ville à l'extérieur, bien sûr, quand je vois ce peuple rouge et noir, ces supporters qui sont capables à la fois de grande ferveur, mais aussi de beaucoup de respect et de beaucoup de cohésion. C'est une image très positive de la ville qui est donnée. Une ville de Rennes audacieuse, jeune, dynamique et puis capable d'exploits, qui sait innover et qui sait être présente dans les grands rendez-vous.